Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi aujourd'hui je suis surexcité, vous imaginez, on m'a ramené donc une Peugeot 406 V6 la vraie. Et en plus cette 406 a joué dans certaines scènes donc du film Taxi, donc exactement dans le Taxi 3. Et c'est vrai que c'est toujours une émotion parce que moi quand le film Taxi est sorti j'avais 10 ans. J'étais déjà fan hein, de voitures forcément, et ce film m'a hanté pendant des années et des années, et il m'hante encore, hein. Et dès qu'il passe à la télé, je ne peux pas louper le Taxi, même si je l'ai vu 40 fois, je m'en fiche, il peut y avoir n'importe quelle émission à côté, ma femme le sait, ce sera une soirée Taxi, puisque c'est pour moi un film qui est mythique, surtout chez nous, hein, dans la société française, et la 406 aussi a marqué son esprit. Oui, avec le film Taxi, mais même en dehors du film Taxi, la 406 est une voiture vraiment fiable. Beaucoup de personnes l'apprécient. Elle peut faire le million de kilomètres. C'est une voiture en général qu'on ne peut pas oublier si on en a possédé une. Donc longue vie à toutes les 406 sur Terre. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours le pep, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et je vous remercie toujours infiniment. Je remercie les frérots qui se sont déplacés, qui ont fait de la route aujourd'hui pour vous montrer justement cette 406. Donc merci à eux, ça fait vraiment plaisir. Mon frérot Abdel, comment tu vas? Ça va. Tranquillo. Bonjour tout le monde. Ben voilà, alors les amis, le frérot a souhaité rester discret. On n'a pas voulu en fait vous le faire parler, je vous filme son dos. Donc le frérot veut simplement rester discret, donc on respecte son choix. Hein, merci de le respecter. Il a fait pas mal de routes, les amis, pour vous présenter sa voiture. Donc c'est vraiment gentil de sa part. Frérot Abdel, je te remercie encore une fois. C'est moi qui te remercie de nous. Tu as fait vraiment le déplacement et comme je t'ai expliqué, la 406, c'est une longue histoire. C'est ça. Ouais. Il y a une très belle histoire derrière cette 406. Eh oui. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette magnifique Peugeot 406? Alors, dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. On va reprendre du début, en fait. Bien sûr. Comment ça se fait que j'ai cette 406? 2016, j'avais une 406 déjà. Yes. V6. C'était pas la même config, elle était grise. Inter cuir beige. Je l'ai gardée, je crois, 3 ou 4 mois. Ouais. Et par la suite, j'ai regretté de l'avoir vendu en fait. Voilà. Ça nous est tous arrivé ça. Voilà. J'ai dit mais pourquoi je l'ai vendu et tout, etc. Bon après avec la vie de famille et tout, etc. Bon bah c'est tombé un petit peu à l'eau et tout, etc. Mais c'était toujours resté dans ma tête en fait. Ouais. Voilà. Et après passé, on va dire quoi, 4 ans plus tard, j'ai commencé à en chercher une en fait. Ok. Et je tombais sur des 406, mais bon, soit c'était trop borné, soit au final la config elle était pas terrible. Après, il faut savoir sur ces 406 en fait en V6, elles sont beaucoup en boîte automatique. Ah, d'accord. Voilà, moi je voulais pas du tout, je voulais vraiment une boîte manuelle. Ouais. Du coup, je voulais intérieur cuir aussi. La couleur, je voulais pas forcément blanc. Ah, d'accord, c'était pas forcément un choix. Ouais, non. Ok. Et un jour, voilà, j'étais sur le bon coin, voilà, comme tout le monde, et je tombe sur cette voiture en fait. Yes. Voilà. C'est ouf. Blanche, hein, elle avait le cuir. Elle avait 2-3 options que j'avais repérées comme les lafares et tout. Ok. Ça je le voulais aussi en fait. Ah ouais, tu le voulais vraiment? Ouais, je le voulais, ouais. D'accord. Ça j'ai dû cacher en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu me dis ça. Voilà. Allez les amis, de la lafare. Et par contre le véhicule en fait, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas tourné en fait. Ouais. Parce qu'il avait un souci moteur en fait. Il y avait un problème de segmentation en fait. Ok. Voilà, le véhicule, il fumait blanc. Voilà, le moteur était à remplacer en fait. D'accord. Donc voilà, moi je l'ai acheté sur. Je suis de Marseille, je l'ai acheté sur Draguignan. Ok. Je me suis rendu là-bas et tout avec mon épouse. Et en fait, quand je me suis rendu sur place, je l'ai vu, honnêtement, elle faisait flipper. Hein. Ah ouais? Ouais, elle faisait vraiment flipper. Elle était toute dégueulasse. Ah ouais? Tout. Ça fait 6 mois qu'elle n'avait pas tourné. Oh, c'est un crime. Ouais, elle était. Entre guillemets, honnêtement, je l'ai sauvé cette voiture. Eh ben, heureusement que tu l'as fait. Franchement, je l'ai vraiment sauvé. Quoi. Incroyable. Voilà. Et elle était toute sale en fait. À l'intérieur, il y a plein de poils de chien, il y avait des petits trucs qui manquaient, tout, etc. Dedans, il y avait des choses même arrachées, tout, etc. C'était une catastrophe. Ok. Donc, alors après, moi, je fais l'essai.
Donc je savais qu'elle avait un problème moteur, qu'elle fumait blanc et tout, etc. Donc je l'essaye et tout, mais je fais un petit tour avec le mec, je retourne chez lui et tout. Et après j'hésite à la prendre ou pas. Le mec il s'appelle Christophe. Ok. Je lui dis Christophe, je suis un peu indécis et tout, etc. On peut refaire un autre tour. Il me dit oh pas de soucis. Je refais un tour et tout, etc. Après je me dis quoi? Allez je la prends. T'as bien fait frère. Par rapport au tarif qu'il me proposait, tout, etc. T'es sûr? Franchement tu as bien fait. Hein. Et après je me dis bah je vais la prendre, surtout que je connais un ami sur Marseille qui est mécanicien en fait. Sans lui, honnêtement, peut-être je me serais pas lancé là-dedans. D'accord. Je me suis dit tous les petits défauts, parce que quand je l'ai allumé, il y avait tous les voyants qui s'allumaient, qui existent sur cette voiture. J'imagine. Voilà. Et du coup, je me suis dit peut-être avec lui petit à petit, je vais la remettre en état et tout, etc. Même si de là, il faut partir sur un nouveau moteur, bah c'est pas grave, je repartirai sur un nouveau moteur et tout, etc. Donc je la prends quand même. Donc de Draguignan, je redescends à Marseille avec, je redescends doucement à 90. Hein. Parce d'accord. Que si je passais les 110, 120, elle montait un peu dans les tours un petit peu et ça fumait blanc. Voilà. Aïe. Donc je suis redescendu tout doucement avec. Lui il m'a dit il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai acheté au mois de février. Et au mois de juillet, l'été d'avant, en fait, donc sa femme qui possédait le véhicule, qui était à Paris, était descendue avec. Okay. De là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, si la voiture elle a tenu de Paris à Draguignan, elle va tenir de Draguignan. Ouais, tu la feras, c'est clair. Voilà. Et en plus, je me suis dit, je vais aller tout doucement. Et puis, s'il y a quelque chose, de ben, toute façon, je l'avais assuré. On appelle le dépanneuse. Ouais, exactement. Voilà, quoi, c'est tout. Donc voilà, je la prends. Et à partir de là, l'aventure, elle connaît. Elle commence. Et sinon, pour revenir à taxi, en fait. Ouais. Donc. Moi, quand j'y vais, chez le monsieur, en fait, la seule chose que je sais, c'est lui au téléphone, quand je me renseigne un peu plus sur le véhicule, il me dit « Ouais, aussi, elle a tourné dans le taxi. » Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Mince. Ouais, mais je dis « Qu'est-ce qu'il me raconte ?» C'est pas possible et tout. Bref, mais moi, c'est pas pour ça que j'allais apprendre. Moi, la 406, j'en avais une et j'en voulais une deuxième, en fait. D'accord, ouais, c'était pas forcément lié à taxi, quoi. Voilà. Moi, cette voiture, entre guillemets, je l'ai possédée. Entre-temps, j'ai eu d'autres véhicules, mais c'est incroyable, en fait. Parce qu'à la fois, elle est discrète et. Ah oui. Et à la fois aussi, c'est un certain confort en fait. Et oui, oui. C'est pour ça que je voulais voilà, la 406. C'est le standing, 406. Voilà. Hein. Le V6, pour cruiser, c'est le top. C'est clair. L'intérieur cuir, clim auto et tout, etc. C'est, honnêtement, c'est un plaisir de rouler avec. Voilà. Donc pour revenir dessus, et donc lui seulement, il m'a dit ouais, elle avait tourné en taxi, mais je ne le croyais pas vraiment en fait. Hein. C'est pas grave, moi je la prends dans tous les cas, taxi ou pas taxi. Malgré que, quand j'étais gamin, taxi c'était le feu pour moi. Quand il est sorti, j'avais 10 piges. C'était le la coup. Même, la non, même. Pour moi, c'était une révélation. Oh purée, ça a été la même. Hein. Ah ouais, c'était. Wow, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, c'est pas possible. On en a rêvé. Je vais pas dire que ça m'a changé ma vie, mais waouh. C'était quelque chose. Alors là, les 406 aussi. Donc, je lui prends, Draguignan, je redescends à Marseille, machin. Je l'amène chez mon collègue et tout. Il commence à voir le véhicule. Et il voit qu'elle fume blanc et tout, machin. Il voit tous les petits défauts et tout, etc. Il me dit, franchement, le moteur il est éclaté. Il m'a dit, on va l'ouvrir, peut-être on va trouver des surprises et tout, etc. Il m'a dit, tu sais quoi, on part sur un échange standard. Ouais, il bloc. M'a dit, écoute, essaye de trouver un moteur sur le bon coin et tout, etc. Et après, je te monte et tout, tranquillement et tout. Donc moi, je regarde sur le bon coin et tout. J'envoie l'autre qui est là au fin fond de la France, machin. Voilà, comment je vais faire pour le ramener, je contacte des transporteurs et tout. Voilà, une galère. Après, je tombe sur une annonce ici à Nîmes. Sérieux? Ouais, je tombe ici. Ah mince, ok. Donc je tombe ici. Ça c'est cool. Mais c'était cool, mais c'était pas si cool que ça. Ah d'accord, ok. Ok. Voilà. Donc le moteur, donc je vais le chercher. Déjà, j'étais un peu pressé. Le mec, il me dit, ouais, je ferme à 18h. Donc c'était un professionnel. Et il me dit non. Après, je le rappelle en route pour dire que j'arrive. Il me dit, non, mais je ferme à 17h30 aujourd'hui. Je lui dis, mais attends, tu m'as dit 18h, je viens de Marseille. C'était un vendredi avec les bouchons et tout, etc. Ah ouais, c'est clair. J'étais en Xara Picasso. Ah ouais, ok. Ouais, et il fallait que je le charge à l'arrière et tout. Donc 1 litre 6 HDI, 92, je l'ai fait cracher tout le long. C'est clair. Voilà pour arriver à temps. Heureusement, je suis arrivé un quart d'heure avant la fermeture. Donc du coup, le moteur, j'ai pas pu bien le voir. Et il commençait un peu à faire nuit, du coup, j'ai pas bien vu tout. Donc il me le charge et tout à l'arrière du Picasso. Le Picasso, il se couche direct. C'est... Ouais, il s'est couché direct. Bref, je rentre avec un Marseille, je le ramène chez mon collègue et tout, avec la chèvre, machin, on le décharge et tout, etc. Et il est resté chez lui. Et moi, je roulais encore avec la voiture pendant ça a duré 2 semaines. Quoi. Il était stocké chez lui et tout. Ouais. Après, un jour, il se penche sur le moteur, il commence à regarder tout. Il me disait quoi? Non, ce moteur, je vais pas te le monter. J'ai commencé à faire mon poids. Première galère, c'est pas possible et tout. Oh, je suis allé le chercher, je l'ai payé, comment je vais faire et tout, etc. Après, je dis, mais pourquoi et tout? Il me dit, viens voir. Après, je m'approche et tout. Il me dit, regarde, ben, il me dit, en fait, regarde, là, ça va être du prendre. Il y a
tu sais, il y avait des espèces de. Des gaines noires là, ouais. qui protègent les câbles électriques, ouais. étaient cramés et tout, etc. Il m'a dit, je pense que la voiture, il y a dû avoir un départ d'incendie, il y a dû avoir quelque chose. Ouais, je vois. Il m'a dit, j'ai peur, je te montre ce moteur, et après, derrière, tu te retrouves tu vois, dans la galère et tout, etc. Je lui dis quoi ? J'ai dit, bah, je vais voir comment je vais faire. J'appelle le mec, je suis pas sûr qu'il me reprenne. Hein. Bon, c'est un professionnel après. Et je lui explique, je lui dis, écoute, moi, je suis venu te prendre ton moteur, t'es un professionnel et tout, etc. Le moteur, pour moi, mon ami, le mécanicien, il m'a dit qu'il n'allait pas me le monter en fait. Voilà, parce que par rapport à ça, il m'a dit, s'il te plaît, envoie-moi des photos et tout. Donc je lui envoie des photos de là où c'était cramé et tout, etc. Après, de là, il me dit, écoute, bah, c'est soit tu le montes, soit tu le montes pas. Je dis, ouais, ça veut dire quoi, soit je le monte, soit je le monte pas. Il me dit, bah écoute, tu me le ramènes, je te rembourse et puis c'est bon. Ouais, il m'a dit va. ça m'a soulagé. Ouais, ça va. Honnêtement, il a été réglo. Ouais, ça va, ça voilà, va. Parce qu'il a pris son argent et tout, etc. C'est clair, il aurait pu te dire, voilà, ciao. Débrouille-toi. Bref, bah maintenant, je lui ramène et tout, etc. Mais il faut que je prenne notre moteur. Et ouais. Gros galère, je cherche partout dans la France, nanana, je contacte, ouais non je l'ai vendu, machin, oh, là, tout. Après je tombe sur un mec au niveau de Vienne, c'est en dessous de Lyon. Ouais je vois. Pour situer. Et pareil, il dit voilà, il vend un moteur machin et tout. C'est un moteur d'une C5. Ah oui. Citroën C5 V6. C'est exactement le même moteur. D'accord. C'est le même. Ces moteurs, faut savoir qu'ils les ont mis aussi sur les Laguna aussi. Ah bon? Renault, ouais. Ok. Les Laguna 2. Tu sais, la Laguna 4. Ouais, bien sûr, je vois. Ils ont mis ces moteurs-là. D'accord. Par contre, on les trouve qu'en boîte automatique. Ok. Voilà. Donc, moi, c'était d'une voiture, d'une C5 accidentée. Ok. Elle avait 115 000 km. Bien. Et le mec, il m'a vendu ça. Et en plus, franchement, il m'a super bien arrangé. D'accord. Du coup, pareil, rebelote avec le Picasso. D'accord. Je l'ai chargé. C'est couché. Tu n'as pas perdu les injecteurs, ça va, sur la route? Non, mais tout le long, j'étais à 90. Parce qu'en fait, vu qu'il y avait le poids à l'arrière. Du coup, demain, il n'y a plus notre Et tout. Je roulais comme les camions, en fait. Et oui, je vois. Ah ouais, j'étais à 90, 95, et voilà, jusqu'à Marseille, quoi. Et en plus, lui, comme il me l'a vendu, le mec à Vienne, là. En gros, il me l'a vendu complet, avec l'ancienne boîte automatique, machin, les trucs et tout. Tout en arabe, ok. Mais c'était tout en arabe, mais c'était super lourd, en fait, surtout. Ouais, il y avait le poids, et oui. Honnêtement, au niveau du poids, je sais pas, il y avait combien, mais il était couché. Hein. Donc voilà, après de là, donc il fallait enlever ce moteur. Vu qu'on enlève ce moteur, on met le nouveau, vu que le moteur est par terre, entre guillemets, on change tout. Bougie, bobine, embrayage, courroie de distribution. En gros, voilà, j'ai dit, vu que le moteur est en bas, on refait tout. Et de là, j'ai tout refait dessus. Voilà, donc j'ai tout refait. Au moins, je repars sur quelque chose de plus fiable. En fait, ouais, c'est clair. Voilà, bah oui, moteur. Et voilà, donc j'ai changé tous ces petits trucs-là. Sans parler, après aussi, j'ai changé aussi, tu sais, les billets de barre stabilisatrices, machin. Amortisseurs, plaquettes, disques. Franchement, j'ai changé pas mal de choses sur ce véhicule. J'avais aussi un voyant aussi, tu sais, un voyant moteur. Ouais. J'arrivais pas à le faire partir, mais en fait, c'était le catalyseur. En fait. Ah oui, le cata, ouais. Voilà. En fait, je pense que. Alors, je sais pas si c'est leur défaut ou pas, mais peut-être au bout de, je crois, 80 000, je crois, ils préconisent de. Enfin, pas ils préconisent de le changer, mais il faut les changer, je crois. Faut les changer, ouais. Je pense qu'il lâche au bout d'un certain nombre de kilomètres. D'accord. Mais moi, je pense qu'il a dû lâcher aussi, c'est quand il y avait le problème de segmentation. Ouais. Ah oui. Tu sais, ça dégageait de l'huile en fait. Ben oui, c'est clair. Je pense que pré-cata, cata, c'était plein d'huile. Ah ouais, c'était plein d'huile, oui. D'ailleurs, quand j'ai changé le moteur, ok, je change, nickel, il tournait bien et tout, etc. Mais quand ça montait en température, ça fumait blanc en fait. Fumait derrière. Encore, ça fumait ouais. encore blanc. Mais c'était en le fait, reste peut-être, non? Ouais, c'était le reste d'huile en fait. Et il fallait voir comment ça fumait. Hein. Ah, c'était abusé. Du coup, des fois, je la prenais le soir à Marseille, je la montais un petit peu dans les tours et tout, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Et après, c'est parti. Voilà, c'est parti, tout, etc. Et de là entre guillemets, bah, j'avais une voiture qui était entre guillemets fiable et tout, etc. C'est clair. Et puis bah, voilà. Mérite, hein, il fallait que tu la sauves. C'est voilà, ça. C'est ça. Entre guillemets, franchement, cette voiture, je l'ai sauvée parce qu'elle aurait pu très bien partir à. Ça aurait été dommage. Hein. Voilà, à la casse et tout, etc. Donc, moi, quand je l'ai eu, quand je suis allé chercher chez Christophe, elle n'avait pas ces jantes-là. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est des jantes, elles sont un peu atypiques. Hein. Elles sont. Ouais. À l'époque, il les vendait chez Feu Vert, ces jantes. Eh oui, je me rappelle. C'est des TSW Imola. Eh oui. En 17. Ultra dur à trouver maintenant. Hein. Voilà. Ça à trouver, c'est vraiment. C'est difficile. Et quand on va les trouver, honnêtement, c'est un bon billet. Ah oui, je sais. Voilà. Ah oui. Après, c'est normal. C'est... Je c'est... suis, tu sais, un c'est petit peu. C'est l'offre et la demande. Voilà, c'est... Même sur le forum, je sais qu'il y a un forum là, réservé là, au 406 Taxi. C'est ça, ouais, sur Facebook. Ouais, il y a, sur il y a, Facebook. Il y a un petit groupe et tout de passionnés et tout. Et justement, elles sont difficiles à trouver. Et justement, d'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai réussi à les trouver en fait. Ok. C'est un mec du groupe. D'accord. Voilà, ah, c'est beau. Voilà, qui les avait et qui me les a vendus. Ok. Voilà. Donc, ah, ça, c'est comme ça que j'ai pu les avoir. Pareil, pour les ramener, elles étaient, le mec il habite à, je sais pas, dans la Manche tout en haut en fait. Ah ouais, tu as fait de la route? Non, je suis pas allé chercher. Ah, tu les as envoyés? Ouais, il les a envoyés, je me suis arrangé en fait avec quelqu'un pour me les faire descendre.
et puis voilà. C'est ouf parce qu'en fait, je pense que ces gens, du coup, de base, elles y étaient ben, pour, quand, elles ont tour... quand elle a tourné dans le film. C'est ça. Et le... un des propriétaires a dû les enlever. Alors, je vais t'expliquer. L'ancien propriétaire, il m'a dit quoi? Il m'a dit, lui, le jour où il est parti en concession Peugeot, en région parisienne, à l'époque, il habitait là-bas avec son épouse, il va chez Peugeot. Voilà, bonjour, machin, Peugeot, tac, tac. Le commercial lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te montrer, ça peut peut-être t'intéresser. Il dit, bah vas-y, montre-moi. Il y va, il lui montre cette voiture. Voilà, 406, blanche. Il m'a dit à l'intérieur, il manquait des trucs. D'accord. Sur le côté, il m'a dit, il y avait un autocollant. Ok. Taxi de Marseille. Oh. Et il y avait pas mal de trucs qui manquaient. Et lui, le Christophe, il dit quoi? Il me dit, mais il dit au commercial, mais tu vas me vendre ça? Ouais, parce qu'il voit les dépouillés, machin, et voilà. Et lui, il dit, écoute, je la remets comme neuve. Ok. Parce que lui, de mémoire, ce qu'il m'avait dit, je crois, elle avait, je crois, 50 ou 30 km. Elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, en fait. D'accord. Et ouais, ouais, là, au film. Ouais, c'était juste pour le film, pour faire les scènes et tout. Il a dit, je la remets tout en état. Et après, tu pars avec. Et lui, bah, depuis tout ce temps-là, il l'a gardé, en fait. Fort. Depuis tout ce temps-là, il l'a gardé. Pépite. Voilà. Et moi, je suis entre guillemets, je suis le deuxième propriétaire. Là. Oh là 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 là. Voilà. C'est franchement, c'est incroyable, tu vois, de retrouver une voiture bah, comme ça. Hein, c'est ça. Qui est jouée dans le film. Non, c'est vraiment incroyable. Et même si tu veux, moi, les gens, lorsqu'ils te voient avec ce véhicule, des fois, blanche, machin, avec les jantes, ah, c'est le taxi. Et oui. Et oui. Et même eux, ça leur donne, ça leur procure du plaisir. En fait, ah, ils sont contents et tout. Et même moi, ça me fait plaisir de leur faire plaisir, en fait. Tu sais, une 406 taxi au jour d'aujourd'hui, hein, tu vas n'importe où, hein, tu arrives avec une Ferrari, une 406 taxi, les gens regarderont la 406 c'est taxi. Ça, c'est ça. Franchement, hein, je fais parce partie que, de. Parce que tu sais pourquoi? En fait, si tu veux, ça, c'est ces véhicules, elles ont déjà entre guillemets la 406, elle a marqué nos enfants. Oui, ah oui, tout à fait. Voilà, pour certains, leurs parents, ils avaient ça, leurs oncles, ils avaient ça. C'est ça. Pour commencer. Plus après le film taxi. Ah, le film taxi, bah, carrément, c'est ça a grave boosté. Hein. Bah ouais, c'est sûr, ça explose. Ça a grave boosté. Et là, t'as vu? Il te reste des éléments où on peut voir qu'elle a tourné dans le film? Alors moi, à la base, je savais seulement qu'elle avait tourné dans le taxi. D'accord, ok. À l'ancien propriétaire, ce qu'il m'a dit. Ouais, tout à fait. Et son épouse aussi qui m'a confirmé okay. Par derrière. Un jour, j'étais en train de la nettoyer et tout. Donc, vu qu'elle était sale à la base, ouais. Donc je la nettoie, je me dis, je vais faire les montants. Là. Ouais. Je fais les montants. Ici, là. Yes. Et tu regardes sur le côté, je tombe sur ça. Eh oui, numéroté. C'est numéro 2. Ok. Donc après, je vais sur la, tu sais, la page Facebook et tout, etc. Ouais. Passionné taxi et tout. Et je pose la question à un mec qui s'appelle Toufik. Pareil, qui a une réplique de taxi 1. Ok. Et je lui dis, excuse-moi, Toufik, est-ce que en gros, ça peut être d'origine ce chiffre 2 ou c'est un lien avec le film? Il me dit, ah non, je pense pas que c'est d'origine et tout. Je fais non et tout. Donc de là, on s'est dit, c'est peut-être la numéro 2. Qui a tourné dans Taxi 3. Et oui, l'aéroglue, oui. Voilà. Elles sont numérotées. Elles sont numérotées. Peut-être ouais. Dans Taxi 3, je vous dis une bêtise, peut-être qu'il y en avait 6 ou 7. Et elle, en gros, entre guillemets, c'était la numéro 2. Voilà. Nickel. C'est ouf. Ah non, c'est fou. Du coup, de là, ça commence à me chauffer. Je me dis, ouais, peut-être il y a peut-être d'autres choses, je vais découvrir d'autres choses. Et après, entre temps, je n'ai pas découvert spécialement d'autres choses. Après, un jour, je pars en vacances et tout avec. Donc, j'avais le ciel de toit qui commençait à tomber. Et vient l'été. Avec les gros chaleurs et tout, le ciel de toit, boum, il tombe. Là où j'ai voulu le refaire, quand j'ai voulu le refaire, on l'a démonté. Ouais. Et en fait, sous le ciel de toit, on voit apparaître des anciens trous de soudure, en fait. Ok, d'accord. Ah ouais. Et les anciens trous de soudure, ça correspondait en fait aux lumineux okay. Qu'ils avaient fixés, en fait. D'accord, ouais, carrément. Sur le toit, en fait. D'accord. Donc j'ai fait une deuxième découverte, en fait, ça, c'est sur ouf. Le véhicule. Ouais, donc ça confirme bien... qu'elle a bien joué dans le film. C'est ça. Oh. Voilà. Et si on regarde bien l'intérieur et tout, etc., c'est un full black en fait. Ça veut dire le cuir il est noir. Ouais. Le tableau de bord de haut en bas il est noir. Ouais. Voilà. Parce que même dans Taxi 2, il faut savoir que le tableau de bord était noir en haut et gris en bas. Et gris en fait. En bas, ouais, voilà. C'est vrai. Et là par contre il est tout noir en fait. Tout noir, et oui, c'est voilà. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable, tu dis ici, il y avait Samy Nasseri qui était assis, ouais, à oui. Côté il y avait Emilien, Emilien hein. Le général aussi il a pu s'asseoir, et oui. Derrière il y avait Lily. Lily, ouais. Et, ouais, voilà, donc, et dans le 3 il y avait Stallone, ah non mais c'est pas dans celle-là. Non, Stallone justement, Stallone en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, Stallone il s'est pas déplacé en France. Oui tout à fait. Voilà, ils ont dû envoyer un véhicule, donc c'était l'aérocar,
avec les gros kits et tout, etc. Ouais. Et ils ont tourné là-bas, aux États-Unis en fait. Ouais, je me rappelle que Stallone voulait donc que ce soit tourné là-bas. C'est ça. Et lui, il avait tout reversé à une œuvre caritative, je crois, une association. C'est ça. Non, pour dire, des fois, voilà, il y en a, c'est des bons en fait. Ouais, c'est des bons. Malgré que c'est des stars et tout, etc. Mais voilà, ils ont quand même. Ah, il y a des stars qui gardent leur repère et d'autres qui n'en sont pas et qui ne se sentent plus, tu vois. C'est ça, malheureusement. Eh oui, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Bah, ça arrive. Mais c'est ouf de retrouver, tu vois, ces petits détails du véhicule. Non, c'est ça en fait, c'est fou en fait. Hein. Et après, il faut savoir, quand ils font des scènes d'intérieur, exemple, ouais. Bah, des fois, on voit, elle a un toit ouvrant, des fois, elle n'a pas de toit ouvrant. Oui, des vrai. Fois, on voit des surpiqûres aussi. Pourtant, c'est la même scène, hein, mais d'accord. Ils changent en fait. Et oui. Des fois, il y a des surpiqûres ici, là. Ouais. Voilà, moi, il n'y a pas de surpiqûres en fait. Donc, d'accord. C'est pour ça, des moments, je la reconnais en fait. D'accord, moi, je sais aussi, tu sais, qu'il y avait... certaines, alors c'était dans le 2, tu sais, où tu avais les ailes qui sortaient, oui. Et en fin de compte, ils avaient une 406 qui était carrément dépouillée, il n'y avait même pas les sièges, je crois. C'est ça. Et tu sais, pour avoir le système de mécanisme. Voilà, c'est ça. Des fois, ils ont juste. Des fois, je crois même dans Taxi 3, je dis pas de bêtises, je crois même ils ont juste l'arrière. Ouais. Ils ont l'arrière d'une 406 pour faire les échappements qui sortent. Ah oui. Voilà, où il envoie. Ouais. C'est pas du nitro qu'il envoie, je sais plus. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Ouais. Et du coup, voilà, des fois, ils font comme ça un peu des. Incroyable. Des parties. C'est vraiment incroyable. Je vais vous faire un petit tour, hein, les amis, du propriétaire de la 406. C'est vrai que, donc, il y a eu sur les sagas, il y avait quoi, taxi 1, 2, 3 ? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, non, mais le 3 et après le 4, ils sont passés à la 407, ouais, je crois. 407. Ouais, ça, bon, là, j'étais moins fan. Ouais, honnêtement, moi aussi. Hein ? Moi aussi. La 406, c'était. 406, c'est 406. C'est la légende, hein ? Voilà, c'est ça. Alors, et tu vois, il y en a, ils préfèrent la phase 1, tu sais, pour le côté vraiment. Parce que ça avait été inspiré, justement, d'une célèbre course automobile. Et. Et la 2, c'est vrai que moi j'ai toujours une préférence pour la 2, je sais pas, je trouve que l'avant, tu vois. Ouais, en fait, si tu veux, je crois, je m'en souviens plus, c'était la 406 qui avait tourné. C'est pas du Grand Tourisme, je m'en souviens plus. Ouais, je me. Et en gros, dans Taxi 1, ils ont tourné avec en fait. Ils ont fait quelques scènes. À un moment donné, on voit sur l'autoroute, ils doublent une bécane. Oui, c'est vrai, exactement. Voilà. Et bah, celle-là, c'est celle de course en fait. Ouais, même le chauffeur, tu le vois, il est au ras du sol. C'est si ça, on voit bien, même si les vitres elles sont teintées, on voit la tête du gars. Et on voit qu'il est vraiment au ras du sol, ouais. C'est ça, je crois que c'est... Non, je m'en souviens plus comment ça s'appelle. C'est une course de tourisme, les amis. S'il y en a qui regardent et qui ont une idée du nom exact, hein, on va pas vous raconter de salade. Voilà, de mémoire, je me rappelle plus. Hein. Dites-nous si vous avez le nom. Mais c'est vrai qu'une 406, c'est une 406, tu vois, en phase 2, avec ces phares-là, à l'époque, quand ça s'est sorti, tu sais... Après, je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, mon ref. Peut-être qu'il y en a, ils vont comprendre, peut-être qu'ils vont pas me comprendre. Dis-moi tout. En fait, la peinture, là, c'est la peinture d'origine, entre guillemets. D'accord. Voilà. Il y a des défauts sur le véhicule. Ok. Voilà. Mais moi, sachant qu'en fait, dans le film, elle a tourné avec cette peinture. Ouais. Ces éléments-là. Je veux pas changer, en fait. T'as bien raison. Oui, il y a des rayures, il y a des coups de portière et tout. Je sais, j'en suis conscient. Mais vu qu'elle a tourné avec cette peinture-là, j'aurais trop peur de me dire, je refais une peinture, mais c'est pas, voilà, dans le film, elle n'a pas vraiment, voilà. Et ouais, je comprends. Donc, c'est pas grave, il y a des défauts, mais elle était comme ça, et je veux la laisser au maximum comme ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Les voitures de cinéma, il faut toujours les laisser, tu sais. Tel quel sur la chaîne YouTube, les amis. Je fais juste une petite parenthèse. On avait tourné, vous savez, la S15 du film Fast and Furious, la Mona Lisa, sur Lyon. Et donc, regardez cette vidéo parce que vous allez voir que ben, le frérot a exactement la même façon de penser que le propriétaire de cette S15. La peinture était un peu fanée, ternie, etc. Il n'a pas voulu la refaire. Il a voulu la laisser telle quelle pour garder justement ce côté authentique du véhicule. Voilà, donc moi, c'est surtout ce côté-là. Et les seules choses que je vais changer, entre guillemets, c'est comme là, il y avait un anti-brouillard qui était cassé. Oui, d'accord. Ouais, là, je suis obligé de changer. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et pour le reste, il y a des petits défauts. Tu gardes. Ça reste comme ça. Ouais, t'as c'est bien pas raison. Grave. Elle est comme ça, voilà. Non, mais t'as bien raison. On a tous des défauts, bah, là aussi, il a des défauts. Ouais, voilà. Bah, on peut lui pardonner. Hein. Voilà, on peut ça. Lui pardonner, mais. C'est vrai que rien. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre, mais bon, après, c'est. Voilà, c'est non, non, choix. Mais en général, tu sais, les voitures de film, les gens, ils comprennent. Ils aiment bien les laisser telles quelles. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Donc après, le lumineux, je l'ai rajouté. Ouais, ok. Par la suite, il faut savoir que le lumineux, celui-là, c'est exactement le même qu'il y a dans le film. La partie haut, okay. Le chapeau. D'accord. Par contre, la partie basse, ok, c'est pas ça. D'accord. Voilà, c'est couleur sablée. Et là, c'est un peu de biais, c'est okay. couleur alu et tout. Voilà, c'est différent. Là, c'est quoi? C'est aimanté, en fait? C'est aimanté. D'accord, ok. Ouais, tu peux y aller, ouais, ça bouge ah, pas. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, et ça à trouver. Ouais, ouf. Ça, je vois passer c'est... sur le forum ouais. aussi, c'est compliqué. C'est galère. Moi, honnêtement, j'ai dû mettre, je crois, 5 ou 6 mois et je l'ai trouvé en plusieurs parties. D'accord. Voilà, au départ, je crois que j'ai trouvé que le chapeau avec les lettres là que tu vois, ils étaient cassés. Donc après, j'ai dû acheter un deuxième pour faire un. Voilà, j'ai mis du temps à le trouver. Donc c'est ce que je dis à tout le monde, tous ceux qui se lancent dans des répliques. Pour avoir les pièces
elles existent, mais en gros, il faut être patient. Ah ouais, faut être patient. Ouais, ouais, faut être patient. Les gens, c'est pareil. J'ai mis un certain temps avant de les trouver, en fait. Parce que, exemple, si on va sur le bon coin, on met SW, Imola, en 17, il y en a, peut-être qu'il n'y en aura pas, je crois. Ou des fois, il y en aura, mais voilà. Pratiquement pas, il y en a pratiquement pas. Elles sont difficiles. Ouais. Si. Peut-être des fois, on peut les trouver en 16 ou en 15. Ouais, en 16, oui. Mais c'est oui, pas ça. Ouais, même en 15 aussi. Hein. Ah, même en 15. Même en 15, on les trouve. Mais voilà, il faut partir sur le 17. Non, il faut partir au moins sur le 17, voilà. C'est clair. Moi, je dis à tout le monde, soyez patient, et puis voilà. Il y en a qui les font venir d'Angleterre aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je me rappelle maintenant, j'avais posé la question à quelqu'un une fois. Et ben exemple, tu vois là, l'autocollant de Marseille, parce que ça à la base c'était pas Marseille là. Oui. C'est un mec pareil qui est sur le groupe Facebook en fait, okay. Et qui vend certaines des petits logos comme ça, tu vois. Okay. Comme là l'autocollant, là, tu vois Gamma, tu vois. Ah oui. Pareil, tu vois, j'ai acheté chez lui. Oh, c'est ça y était ça sur le. S'y était d'origine, mais vu que le truc il a moins 20 ans, tu vois, c'est il était clair. Parti oui, en fait. Parti, ouais, voilà. C'est clair. Donc moi lui il l'a revendu, donc j'ai racheté cet autocollant. Ok. Marseille pareil. Ouf. Voilà. C'est ouf. Bon, bah écoute, mon ref. Hein. Donc, voilà. C'est juste incroyable. Et. On va revenir au véhicule. Après, il faut savoir que. Donc, celle-là, elle est 2001. Mais pour 2001, franchement, il y avait pas mal d'options. Et ouais. Voilà, on va revenir un petit peu sur le véhicule. Yes. 4 vitres électriques. Ouais. Les rétros, ils sont rabattables électriquement. Bien. Ça, c'est bien. On a les sièges électriques. Et oui. À mémoire. La mémoire, incroyable. Chauffant. Ok. Regardez les amis, la panoplie d'options, c'est beau, hein. C'est beau. Incroyable. Et même le plastique, il est un peu moussé en fait. D'accord, ok. Parce que maintenant ils font des voitures. Ouais, c'est. Je sais pas combien. Ouais, c'est dur, c'est ça c'est boring. Bon. Voilà. Ça vaut rien. Ils abusent. Je parle par exemple des Golf 8, tu vois. Je suis monté dans une Golf 8 la dernière fois, j'ai serré ma tête. C'est quoi, c'est plastique un peu, non? Ah ouais, plastique complet. C'est pas normal. Ah ouais, non, franchement, ils abusent. Golf 8 pour presque 50 000 avec le malus, c'est cher. C'est ça. Non, ils abusent, honnêtement. C'est, voilà, on met des 50 000, des 60 000 c'est euros ça. Avec du plastique. C'est ça. Non, il y a des surpiqûres aussi ici, c'est beau, hein. C'est beau. Donc ça, à l'époque, c'était cassette, hein. Oui. Ouais, c'est, oui, voilà, oui. Donc c'était un post-cassette. Eh oui, Clarion. Voilà. Et chargeur CD dans le coffre. Dans le coffre, ok. Voilà, on pouvait mettre 6 CD en fait. Ça me fait penser, tu sais, au 39 que j'ai toujours roulé. C'était un peu le même système. Donc en fait, il est ici, là. Bien. Ok. C'est cool, c'est bien de garder des options comme ça. C'est ça. Non, il faut les garder. Et comme là, le poste, il est d'origine et tout, etc. Et plus ça tourne dans le film, je veux pas le changer, ça. Non, mais t'as raison. Ah voilà. Oui. Voilà, c'est. Je suis dans cette optique-là. C'est le laisser au plus. À l'origine comme elle était en fait. C'est clair, voilà. T'as bien raison. Moi j'ai une petite question à te poser. Ouais. Tu envisages pas de la remonter full, tu restes telle quelle toi? Alors ça m'a travaillé tout. Eh oui, c'est sûr. Parce que je sais que si je la remonte et tout, c'est vrai que ça va attirer plus le regard et ça sera un plaisir aussi. Eh oui. Mais vu que je me dis dans le film en fait, elle a tourné de telle façon. Ouais, ok, ouais, je comprends. Je peux pas en fait, je peux pas me permettre de faire ça. Je te comprends. Voilà. Ok. Donc, je comprends les deux. Tu vois, celui qui voudrait, si tu aurais voulu la remonter full, j'aurais vraiment compris. Parce que tu peux te dire qu'elle a tourné dans le film, voilà. Etc. Il manque ça. Si, exemple, je te dis la vérité, si ça aurait été peut-être une autre 406 blanche, intérieur cuir noir, boîte manuelle, déjà c'est introuvable. Oh, tout le monde, honnêtement. Blanche, cuir noir en manuel. C'est clair. Je ne l'ai jamais vu sur le bon coin. C'est clair. J'en ai cherché pendant longtemps, j'ai cherché cette voiture. C'est clair. Jamais trouvé la donc, si ça aurait été notre 406, peut-être que qualité blanche et tout, pourquoi pas pour me lancer sur un projet, ouais, je vais jusqu'au bout peut-être. Mais là, vu qu'elle a tourné comme ça dans le film, je veux qu'elle reste comme ça. Bah, ouais. T'as raison, franchement, c'est un bon choix. C'est un très très bon choix que de la laisser de cette façon. Et à l'époque, honnêtement, en 2001, celui qui avait ça. Ah ouais, mais tu étais le papa. Hein. Non, sérieux. Ah ouais, non, mais quand tu avais ça, bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, maintenant, il y a les nouvelles générations qui arrivaient de oui. RS3 et tout, etc. Non, mais c'est clair. Ça n'a rien à voir, on peut pas comparer. Là, quand tu avais une 406 à l'époque, tu avais un 325 TDS qui venait de sortir de l'époque. Hein. C'était et comme ça. 406 V6, hein. Ça, c'était le feu. Ah, c'est clair, c'est clair. C'était le feu. C'est clair. Même à l'époque, il y a même certains de. Tu sais, de la BAC, la police ouais. De la BAC. Oui, ils oui. En avaient aussi. Oui, c'est vrai, même anime, ouais, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, exactement. Quand même, à l'époque, tu vois, 210 chevaux, c'était quelque chose. C'est clair. Et c'est possible de voir le moteur? Oui, bien sûr. Regardez les amis, on va vous ouvrir le capot et vous montrer le moteur hein, de cette voiture, le V6 légendaire. Il faut savoir que dans certaines, il y a eu des 406 qui n'étaient pas, je crois, des V6 dans le film. Alors, si je te dis pas, dans le 3, je pense qu'il y avait des V6. D'accord, okay. Parce que même à un moment, tu la vois, il suit un scooter. Ouais. Père Noël, okay. Et il se met sur deux roues comme tout ça. À fait. D'accord. Quand tout tu vois en dessous, tu reconnais en dessous, il y a les deux catalyseurs et ouais. Tout. Et dans le catalyseur, en fait,
si on fait arrêt sur image, on voit il y a une espèce de coque en fait. Tu sais quoi, je vais, alors je vous promets pas les amis, hein, mais je vais essayer de regarder si je peux vous faire ce montage, de retrouver cette scène là que tu me dis. Voilà, il est sur deux roues comme ça, ouais. Et on voit un moment, donc il y a les deux catalyseurs et il y a un poc en fait sur le catalyseur. Moi je vous ai dit sur ce véhicule, j'ai changé le catalyseur. Ouais, ne me dis pas. Quand j'ai démonté le catalyseur, oh purée, il y avait un poc à cet endroit là. Encore. Et moi j'ai fait quoi? Ben, je savais pas de quoi, par rapport à cette scène là et tout. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai revendu, voilà. Ouais, ouais, grave. Voilà, parce qu'il faut savoir que les catalyseurs on peut se. Ouais, ça se revend, en fait. C'est clair. Voilà, donc moi je l'ai revendu, j'en avais pas à l'utiliser de le stocker. Tout et à fait. Après par la suite, dès que j'ai vu ça, j'ai dit mais pourquoi je l'ai pas gardé? Et ouais, ouais. C'était le truc authentique de la scène en fait. C'est ça en fait. Bah c'est pas grave, c'est pas trop grave. Voilà, c'est pas trop grave. Non, non. Voilà le fameux V6, hein, les amis. Qui est ici, comme dirait Daniel, hein, j'ai récupéré un V6 et je l'ai un petit peu survitaminé. C'est ça. Hein. Et ça fait du bruit réellement quand c'est full tube ou que tu mets un silencieux ou quoi? T'as déjà eu le. Alors moi sur la première que j'avais une sortie inox. Ok. Franchement elle chante bien. Ça chante bien quand même. Non, mais juste avec. Ah ouais. Honnêtement, bah, tu nous feras écouter ça, ouais. Et par contre, maintenant, vu que celle-là elle est d'origine, ouais, oui, c'est Dyson, comme on dit. Oui, oui, c'est pas voilà, pareil, forcément. C'est pas pareil. Non, mais c'est un moteur quand même qui est légendaire, il est gros, il prend de la place. Ouais, honnêtement, il est gros. Et après, ce moteur, voilà, comme je t'ai dit, ils l'ont mis sur des Laguna, ils l'ont mis sur des Citroën C5, sur des 806, sur plein de voitures. Ça, tu vois, frérot, ouais. C'était l'époque, tu vois, de la grandeur française, tu vois, de l'automobile. C'était l'époque où la France n'avait pas peur de mettre des gros, gros moteurs dans leur berline, tu vois, et c'est dommage qu'au jour d'aujourd'hui, avec les restrictions, ben, ils ne le font plus, parce qu'avec les malus, etc. Ouais. Mais c'est quand même dommage, parce que c'était vraiment une belle époque d'avoir des Françaises survitaminées comme ça, avec des gros moteurs. Hein. Après, il faut savoir, ce V6 à la base, donc celui-là, c'est le 207 chevaux. Hein. Ok. Mais à la base, sur les phases 1, et les premières générations de phase 2, ouais. Donc les 99, je ne te dis pas de bêtises, peut-être jusqu'à 2000, yes. Ils étaient équipés du V6, mais pas du 207 chevaux, ils d'accord. Étaient équipés du 194 ou 194. Ah d'accord, il y avait un autre variant. Voilà, c'est ça. Ok. À la base, c'est ça. Et après, en fait, je me suis un petit peu renseigné dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Les Peugeot, en fait, a envoyé, ils voulaient gagner des chevaux en fait sur ce moteur. Ok. Et ils sont passés par Porsche. D'accord. Voilà, il faut savoir qu'ils sont passés par Porsche pour gagner quelques chevaux en fait. Ok. Voilà, donc 180, ils ont travaillé je crois notamment sur l'admission. L'admission, en fait. Ouais, en général sur les atmos. Voilà, et ils ont fait ça et on a réussi à monter à 207 chevaux. Ok. Voilà. Et si je te dis pas de bêtises, yes. Après ce moteur ils l'ont mis aussi sur les 407. D'accord. Ok. Ouais. 407, si je te dis pas de bêtises, en berline c'est toutes des automatiques. Ouais, c'est toutes des autos. Ouais. Sauf en coupé, tu peux trouver, je pense, certaines en manuel. D'accord. Voilà. Et c'est des 211 chevaux. Ok. Voilà. Mais après, okay. Par contre, il ressemble exactement à ça. D'accord, ok. Voilà. Bah, c'est fat, hein, ça prend de la place. Voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir, les amis, de voir un V6 ici, ce moteur légendaire sur une 406. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça devient rare, en fait, de nos jours. En fait. Ouais, ouais, c'est des clair. Des 406, il y en a eu beaucoup et tout, etc. Mais en V6, comme ça... Ah non, ça, mais là, c'est vraiment extraordinaire. Là. Voilà. Là, et puis vraiment... même, entre guillemets, il y en a beaucoup qui pensent que voilà, c'est un 2 litres HDI 110. C'est ça, la base. Et des fois un petit peu sur l'autoroute, bon je fais pas non plus, j'en vois pas forcément, mais des fois j'accélère un petit peu et tout, et je sais que les gens ils sont surpris. Et oui, ils sont surpris, tu m'étonnes. Voilà. Tu m'étonnes. Voilà, parce que honnêtement, cette voiture, pour en revenir à elle, pour savourer en fait la 406, c'est pas forcément en ville et tout, etc. C'est vraiment quand on fait des longs trajets et qu'on appuie un petit peu là, on sent qu'il y a. C'est fait pour cruiser ça, voilà, tu vois. Voilà, c'est ça en fait. Tu vas sur la 2x2 là-bas, voilà, une fois que c'est bien lancé, ça marche bien. Mais après en pointe, ça envoie. Hein. Oh, ouais, ça prend pas mal, je pense. Hein. Ouais, franchement, en pointe, ça envoie. Voilà, donc celle-là, je ne l'ai pas trop poussée, ouais. Entre guillemets. Non, mais c'était réputé quand même. Mais je sais qu'en pointe, ça peut prendre jusqu'à 2,50. En fait. Et ouais, ouais, non, mais ça. 2,40 et 2,50. T'imagines, tu es sur l'autoroute, à 2,40, tu vois une 406, c'est chaud. Voilà. Hein. Non, honnêtement, c'est. C'est chaud. C'est quelque chose, quoi. Écoute, hein. Merci en tout cas, mon refait, tu vois, pour avec tous plaisir. Ces détails, parce que là, tu nous fais rêver et tu nous replonges dans. Moi, dans l'esprit 406. C'est pour ça que je suis venu te voir, c'est vraiment pour faire kiffer. Et ben là, moi, tu sais que c'est mon déjà, bonheur. Déjà, je te la vérité, je voulais te rencontrer parce que voilà, pour moi, t'es une bonne personne. C'est gentil, le mon contenu ref. Que tu fais, il fait plaisir à beaucoup de personnes. C'est très gentil. Voilà, on te souhaite plein de choses. C'est gratifiant, tu sais, ça fait plaisir. Et c'est vraiment aussi à la communauté, tu vois, qui te suit et tout, ouais. Pour leur montrer, voilà le. Franchement, voilà. Tu sais, j'ai une très très belle communauté, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Les amis, alors, moi, vous savez que sur YouTube en général et même sur les réseaux, j'aime pas me baser sur moi. C'est vous en fait. Quand vous venez, que vous me présentez vos voitures, etc., je me base sur vous. Moi, je suis pas le genre de mec à moi-jeu, tu vois. Moi, c'est la lumière, elle est pas sur moi. J'aime bien la mettre sur vous. Et c'est vrai que j'ai une communauté qui est très fidèle. Tu sais, frérot, que j'ai des mecs, écoute-moi bien. Ça fait 3 ans et demi qu'on a ouvert la chaîne YouTube. Je te promets que ça fait 3 ans et demi, il y en a tous les lundis à 19h, ils m'écrivent. Tu vois. Ouais. Non.
Je peux pas louper ta vidéo, frérot, je suis devant, merci beaucoup. Et c'est vrai que ben, moi, je vous remercie toujours pour ça, parce que d'avoir une communauté fidèle, eh ben, moi, c'est ce qui me fait plaisir. Ça me donne toujours, tu vois, l'énergie à me défoncer, en fait. Pour, ça te booste, en fait, plus. Ouais, ça me booste, tu vois, d'aller vous ramener des voitures, d'aller tourner, même s'il fait froid, même si je dois aller loin, même si je dois faire de la route, même si après les montages, ça me prend des heures. Moi, quand je vois vos commentaires, c'est toujours gratifiant, c'est pour ça que je suis encore là. Je préfère avoir, mais aujourd'hui, 23, 24 000 abonnés fidèles, c'est ça, que d'en avoir des 80 000, des pseudos qui sont ou achetés ou c'est pas des vrais, et au final où il n'y a pas d'interaction, tu vois, entre les gens. Moi, souvent, on m'écrit, à chaque fois que je mets une vidéo... On préfère mieux la qualité que la quantité. Exactement, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin, moi, de 100 000, 200 000, 300 000, et que les mecs, ils suivent pas. Tu vois, je préfère avoir 23, 24 000, mais c'est la famille, tu vois, que d'avoir beaucoup de personnes et qu'au final, ils s'intéressent pas aux personnes qui passent, parce que moi, frérot, c'est les personnes qui m'intéressent, la voiture et la personne qui vient. C'est ça, ouais. Tu vois, moi derrière, je suis là pour tenir une caméra, poser quelques questions, mais mon job il s'arrête là. Ouais. C'est toi qui fais le job aujourd'hui, tu vois, c'est pas moi. Donc, vraiment, merci du fond du cœur, frérot, de nous ramener ça. Ah, ben écoute, c'est normal. Maintenant, si on peut aller faire un petit essai routier, tranquillou, hein, tout doucement, ouais, tranquille. D'accord, les amis, alerte générale. Bon, les amis, nous voici à bord de cette magnifique 406. Il faut vous dire que à l'endroit où je suis assis, il y avait Emilien qui était là. Donc c'est cool, hein, Emilien, le sacré policier qu'on kiffe tous. Hein. C'est ça. C'est en tout cas, c'est vrai que c'est une histoire terrible. Et moi, ça me fait plaisir. Là, j'ai l'impression de revenir dans ma jeunesse où ce film m'a tellement passionné. Et d'avoir aujourd'hui la chance de s'asseoir là où c'est assis Emilien, franchement, c'est quelque chose. Et pour revenir à Samir aussi, ouais, tu vois, dans Taxi 5, oui, c'est dommage que justement il n'y a pas Emilien et ni Samir Nasseri, en fait. Ah ben ça, on est d'accord. Voilà. Ça, on est d'accord. Voilà, c'est dommage, ça. Ben, tu sais, c'est la légende, c'est ça. Ben oui. C'est ça, voilà. Ben oui, ben oui, oui. Tu vois, je comprends pas qu'il n'ait pas mis, tu sais, qu'ils n'aient pas trouvé un terrain d'entente. C'est dommage, ouais. Parce que j'avais écouté une interview où Samir Nasseri, il disait qu'en fait, ils lui ont rien proposé, quoi. Ils lui ont dit, tiens, si tu veux apparaître vite fait là. Mais tu sais, ils lui ont rien proposé de concret, alors que c'est le film est bien en soi. Moi, je trouve qu'il est rigolo parce que... Non, ils l'ont bien tourné, honnêtement. J'aime bien, tu vois, Bentala, Franck, ils sont rigolos parce qu'ils ont leur style, tu sais, comme le Pattaya et tout ça. C'est ça, ouais. Mais le taxi, c'est Daniel, tu vois. C'est ça, en fait. C'est Daniel et Emilien. C'est vraiment... C'est comme si un jour, moi, c'est la vérité, si un jour, il y a un taxi sans commissaire Gibert, je ne le regarderai pas. Grave. Hein, c'est ça. On est d'accord, ouais. Hein. Commissaire. Et heureusement qu'ils l'ont laissé. Heureusement qu'ils l'ont laissé. Franchement. Ouais. Exactement, c'est lui, tu sais, qui redonne le truc. Commissaire Gibert, c'est trop. C'est pour moi, c'est la star du Taxi 5, en fait. C'est ça. Commissaire Gibert. Moi, j'aurais bien voulu, en fait, qu'il continue, en fait, le 4, en fait. Parce que ouais, dans le 4, on voit les enfants d'Emilien. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et malheureusement, bah, on le retrouve pas dans le 5. En fait, c'est dommage, en fait. Moi, j'aurais pensé, tu vois, que pour le 5, tu sais, qu'ils disent que c'est le fils de Samir Nasseri, tu vois, qui a repris le flambeau. Voilà, j'aurais trop voulu, ouais. Tu vois, ça aurait été un truc un peu plus logique, tu vois. C'est ça, ouais. Le papa, il a pris la retraite, bon, il est parti au bled. Voilà. Et puis, le gamin aurait repris le flambeau. Là, dans le 5, il me semble, ils disent, ouais, il est parti à Miami. Ouais, à Miami, ouais, c'est ça. Daniel, il vit à Miami. C'est clair, il vit à Miami, ouais. C'est dommage. Ça, ouais, c'est dommage, franchement, c'est dommage. On aurait pu garder ce truc-là de Daniel. Voilà. Ouais. Le seul qu'ils ont laissé, c'est quoi? C'est le général. Général, commissaire Gibert. Il y en avait un autre aussi. Il y avait le policier aussi, ouais, le policier, celui qui se fait lever, là. Ouais, dans le 3, il se fait écraser. Il se fait écraser, exactement. Il y a qui d'autre? Eh oui, non, Bétra, il n'y est plus. Non, c'est pour ça, finalement. C'est dommage, en fait. Ouais. Honnêtement, ils ont fait un bon film. Voilà, c'est... Il est bien parce qu'ils ont leur style. Ouais, ils ont leur style et tout. Mais oui, tout à fait. Mais reprendre le nom de taxi, c'est dommage. On est d'accord. Ouais, Ah ouais, on est entièrement d'accord. En tout cas, c'est vraiment... Après, on ne sait pas, peut-être un jour, ils vont faire un taxi 6 ou... Moi, je pense qu'il doit être sollicité, le Franck. Et je pense que s'il veut que le prochain film fonctionne... Il faut qu'il y ait Nasseri, c'est obligé, il faut qu'il y ait Samir Nasseri. Trouver un terrain d'entente. Ouais, il faut trouver un terrain d'entente. Mais il faut qu'il fasse une apparition, c'est obligé. Hein. Parce que le taxi aussi, il a été boosté par Samir Nasseri. Hein. C'est ça, en fait. Et le premier aussi, dans le premier volet, il y avait, comment elle s'appelle, l'actrice qui joue le rôle de sa compagne. Lily, ouais. Ah, Lily, elle, c'est alors... Cotillard, voilà, elle a réussi sa carrière à Hollywood. Bon, elle a tout... Elle est dans un autre univers, tu vois. Mais après, elle est douée aussi, attention. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est une très bonne actrice. Ouais. Mais, tu vois, c'est dommage qu'il manque ça. Il manque ce charme de l'ancien. Voilà.
Sinon, mon frérot, tu sais, pour revenir à la voiture, ouais. Au jour d'aujourd'hui, ça coûte combien une 406 V6 ? Alors, une 406 V6, alors tout dépend de la configuration, du kilométrage, bien sûr, ouais. Et de l'état du véhicule aussi. Hein. Ok. Parce que voilà, ils ont un certain nombre d'années aussi. Yes. Sur le bon coin, je pense qu'on peut en trouver entre 5 et 12 000 euros. D'accord. Tout dépend de l'état, bien sûr, en fait. Ouais, l'état, option. Voilà. Okay. Et après, il faut savoir que c'est sur le bon coin, on va beaucoup en trouver en boîte automatique en fait. D'accord, oui, c'est pas le même. C'est ça. Ah ouais, c'est pas pareil. Je sais que certains ont réussi à faire des boîtes automatiques, ils les ont passées en boîte méca. Ouais, ouais, ça se fait. Hein. Ça se fait aussi. Dans la mécanique, voilà. Tout se fait, mais. D'accord, en tout cas, c'est silencieux. Non, voilà, c'est silencieux et tout. Ouais, c'est un moteur qui est très silencieux. C'est ça. Contrairement frérot. Eh oui, lui, ouais. Genre de voiture, ça qui gueule un petit peu. C'est sympa, ouais. ça. Oh, ah ben, Clio RS, c'est un bon. Mais tu vois, exemple, c'est bizarre ce que je vais dire. Hein. Ouais. Mais des Clio comme ça, bon, pas dans les virages et tout, parce qu'ils ont un châssis de fou. Ouais, ils ont un châssis de malade. Mais exemple, je le mets sur national et tout, je vais pas te dire je le mange. Il va souffrir. Il va souffrir. Ah ouais, c'est clair, ouais. Si je le mange pas, peut-être, attention. Ouais, ouais, c'est clair, c'est le clair. Le V6, quand il est lancé. Ah ouais, ça marche. Ah ouais, ça marche. Ah ouais, ça marche très très bien, ça. Ça marche très bien. Et toi, t'as vu, si on doit parler de toi un petit peu dans la vie, tu es un fanat de voitures, c'est ta passion. Ouais, moi, entre guillemets, c'est ma passion. Okay. Après, bien sûr, il faut savoir que bah, c'est de l'argent aussi. Hein. Ouais, c'est beaucoup d'argent. On n'a pas forcément les moyens. Exactement. Là, j'ai pu faire plaisir avec ça. Bien. Non, bien sûr, moi, je suis un passionné de voitures depuis tout gamin. Hein. Ok. Que ce soit moi, mon père, mon frangin, c'est pareil. C'est bien ça. Voilà. Il faut savoir que mon frangin, il a une M3 E92. Oh. J'espère qu'un jour je pourrai te la présenter. Ben grave. Il viendra te la présenter en fait. Ouais, ben ça, tu le sais, pas de souci. Hein. Voilà, parce que c'est M3 E92 Decata, fait un joli bruit, tout, etc. Ben écoute, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ce sera l'occasion de se revoir aussi. Hein. Ben écoute, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment avec plaisir. Vous savez, les amis, donc il y a des tournages, des fois, ben, je viens, on discute un peu avec la personne et on part. Là, ça fait 2 heures que je suis avec les frérots, hein, parce qu'il n'est pas venu tout seul. Hein. C'est ça. Ils sont là, ils se sont déplacés. Mais c'est juste. Ben, c'est un moment qui est convivial et ça fait tellement plaisir d'être sur ce genre de tournage-là, comme ça. C'est cool. Hein. Samir, j'aimerais bien que tu essayes la voiture. Sérieux ? Ça me ferait vraiment plaisir que tu l'essayes, honnêtement. Voilà. Ben écoute, je vais pas te dire non. Voilà. Je vais pas te dire non parce que moi, déjà, dans ma vie, j'ai possédé 2 406. Ah, t'as eu des 406 ? Ouais, j'ai eu des 406. Okay, j'ai eu des 406. Alors, ouais. Pour ceux qui suivent un petit peu ma vie privée, moi, vous le savez, je suis d'origine algérienne. Et en Algérie, la 406, c'est un patrimoine. C'est le Graal. Voilà. À chaque fois que je pars d'ailleurs en Algérie, quand je prends le bateau, je m'amuse à les compter. C'est ça. Voilà. Et je m'amuse à regarder chacune d'entre elles les finitions. C'est ça. Tu vois ? Ouais. Alors, il y en a, oui, elles sont en état pas terrible. Mais en général, celui qui a une 406, il en prend soin. C'est moi, ça. Les mecs, tu sais, avant de monter dans le bateau, ils réastiquent la voiture. C'est ça. Avant d'arriver en Algérie. C'est ça. Peut-être certains se reconnaîtront. Et c'est vrai que c'est beau. Moi, la 406, j'ai possédé 2 406. Une 110 et une 136. Ouais. Le modèle 136 avec FAP. Je ne l'ai pas gardé parce que ce moteur aussi a la réputation en fait, d'avoir une courroie de distribution et une chaîne. Et il y avait souvent, je retrouvais souvent des casse moteurs liés à la chaîne, aux chaînes d'arbre à cam. Et c'est pour cette raison que j'ai vendu ma 136, mais qui était belle avec les jantes ouragan, l'intérieur semi-cuir, ouais. La clim automatique, tu vois, les mêmes options que tu as. J'avais un lecteur CD. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, j'avais un lecteur CD. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est de la caisse. C'est pas exclu. Alors moi, ça fait partie, tu sais, de mes rêves. Ouais. D'avoir un jour une 406 remontée taxi. Taxi, ouais. Ouais. C'est plus taxi 1 ou tu sais, taxi 2, non, et 3, tu vois. Non, le 2. Le 2, ouais. Même si c'est le 1, hein, ah, ouais, avec lequel sûr, ouais. On a connu taxi. Ouais. Ce serait plutôt le 2 parce que j'ai toujours aimé la phase 2, tu sais, avec le trait à l'arrière sur les phares. C'est ça, ouais. Et un détail, un petit détail, ouais. C'est pas un gros détail, c'est celui-ci. Moi, quand je voyais ça, là, tu sais, ouais. Le petit chrome sur les aérateurs qui avait les phases 2, ouais. Ça m'a toujours. Sur le 1, il n'est pas ? Non, je crois pas. Bah, tu vois, je pense non. Qu'il est. Et il y a un truc que j'aimerais bien avoir sur une 406 ouais. Que j'ai vu un jour, d'ailleurs, sur une 406 en Algérie. Le gars avait une phase 2 et la console ici était grise d'origine. Ouais, ça, ils l'ont. Alors, si je te dis pas de bêtises, peut-être. Hein, je ouais. Pense en ils l'ont arrêté, je pense, en 2005. Ouais. Et je pense qu'à partir de 2003, ils ont commencé à changer, en fait. C'est ça. Vraiment, sur les dernières phases, c'est tu ça, vois, ouais. C'était gris ici. C'est ça, ouais. Et ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais bien avoir ouais. Avec, tu sais, les compteurs. Je sais pas si c'était pas blanc, même. Blanc, peut-être. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais ouais. Ils sont différents. Ils sont différents, voilà. Ça, c'est le truc pour le contour, je crois, il y a un contour chromé. Oui, il y a un contour chromé, ouais. Ouais.
Et ça, tu vois, c'est vraiment le truc que j'aimerais avoir si un jour je devais me reprendre une 406. En tout cas, la 406 ne m'a jamais lâché. Et je me rappelle, je devais acheter une 325 TDS. Cette histoire, je la raconte toujours. Hein. Mon père vient voir, parce que c'est lui, tu sais, qui... C'est lui qui tenait la finance. Même si c'est tes sous, c'est pas tes sous. Ouais, c'est ton papa qui gère. Ouais. Tu vis chez lui, tu vis selon ses règles. C'est ça. Et en fait, donc je trouve cette 325 TDS. Mon père vient la voir. Et il m'a dit, c'est mort. Je ne l'achèterai pas. C'est un bâtiment, le truc. Par contre, tu veux donner un conseil, tu vas prendre une 406. Je dis, oh, papa, j'ai 19 ans, je vais acheter une 406. Et au final, eh ben, la 406, toute la période que je l'ai gardée, pratiquement un peu plus d'un an, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté parce que la 406 ne m'a jamais lâché. C'est ça. Elle ne m'a jamais lâché, elle m'a rien coûté. Et c'est pour ça, c'est vrai que c'est une voiture qui est économique à l'usage parce que les pièces sont très endurantes, les disques, les plaquettes, ça ne juge pas. Hein. En fait, il faut savoir qu'en fait, avec une 406, surtout en fait, le moteur de l'Italie, il est vraiment solide, honnêtement. Ah oui. Il y en a, ils ont réussi à faire des millions de kilomètres. Ouais. Tout à l'heure, tu parles de l'Algérie. Il faut savoir que là-bas, c'est des vrais passionnés, comme il a dit. Ouais, c'est clair. La 406. Il y en a, c'est ils ont des millions de kilomètres. Oui. Mais la voiture, elle a toujours encore sa pêche et tout, etc. Ouais. Par contre, ils font l'entretien, par contre, à chaque fois. Les vidanges, de toute façon. Ils rigolent pas. C'est clair, c'est clair. Voilà. Mais ce moteur, honnêtement, il est vraiment solide. Ah oui. Voilà. Après, les pièces autour, bien sûr, le démarreur, l'embrayage, ouais, alternateur, etc. Mais c'est sinon, normal. Le moteur en lui-même. Ah oui, non, le bloc, il est extrêmement fiable. Ah oui, et c'est dommage que de nos jours, ils font pas des. Non, mais ils en referont plus. Ben, c'est le cauchemar du mécanicien. Hein. Eh ouais, c'est ça. Eh ouais. S'ils font ça, il y a plus de trop de mécanos. Non, mais maintenant, c'est trop. Ils ont tué l'automobile. Ouais, ils ont tué l'automobile. Pure tech, des trucs, ces moteurs, sérieux. Ça s'en vaut rien. C'est ça, c'est. Ça s'en vaut rien. Si t'arrives à faire 100 000, t'es content. Ouais, c'est clair, ouais. Mais 100 000 avec leur système de courroie qui baigne dans l'huile. Qui baigne dans l'huile, sérieusement. Ça, j'ai jamais rien compris à ça. Je comprends pas comment on peut être stupide pour inventer des choses comme ça. Mais voilà, hein, les amis, pour l'histoire de la 406. Et... Je vais juste un petit peu vite fait. Je peux me permettre d'accélérer. Mais un petit je t'en prie, vite fait, au contraire, voilà. Fais-toi plaisir. Fais-nous plaisir. Prendre. Là, on sent que ça commence à se lancer. Là. C'est ce que je t'ai dit en fait. Oui, oui. Tu vois ? Oui, oui, ça met du temps. Tu vois, ouais. après, c'est un truc. Mais on a senti, tu vois, qu'à un moment donné, là, commençait vraiment à partir. Voilà, tu vas pas le sentir sur un deuxième. Ouais, non, mais non. Et après, non. Ça, tu vois, là, tu auras plus, tu vois, là. À l'envoi, tu vois. Incroyable, ouais. Là, elle est lancée. Là, tu sens, quoi. Ah, là, oui, je la sens, mon ref. Incroyable, là, je la sens. C'est ouf, hein. Ah, c'est ouf. Ça distille les sensations. Après, pour ceux qui aiment BM, entre guillemets, l'équivalent, 325i. Ouais, 325i. E46. Ouais. E30, il est au-dessus. Oui, voilà. Oui. La E46 était plus aseptisée, tu sais. C'était plus une grosse GT. C'est ça. Alors que la E36, elle était plus brutale, par exemple. C'est ça. Tu vois ? C'est ça. Et moi, j'ai possédé un 325T. TI compact, ouais. Bon, c'était une boîte automatique, j'avais fait une bonne affaire okay. à l'époque. Et après, j'ai eu la 406, donc la première que j'avais eue, et la 406, elle tournait carrément mieux. D'accord, alors, c'est ouf, hein. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est fou. Non, c'est ouf. Ah non, c'est un beau. Hein. C'est, ouais, c'est ouais. Vraiment beau, hein. Et après, quand t'accélères, ouais, t'entends le son, tu vois, il est bien. Ça monte, ouais. Ça monte. Incroyable. Là, tu la sens partir, là, tu vois. Là, tu vois. Ah. Là, on la sent partir. Ah. Et là, ça y est, elle est lancée. Ah, ça y est, là. Ouais, ouais. Là, tu peux... Ah oui. C'est incroyable la sensation. Là tu te dis tu vas décoller. Ah ben là on décolle, là les Mercedes. Hein. Hein non, mais, si on va sur l'autoroute, je sais pas si on est mort. Hein. Ah ouais. C'est même tout à l'heure quand je suis venu, je l'ai pas vraiment poussé quoi. Ouais. Voilà. Là c'est pour montrer un petit peu. Quoi. Non mais c'est clair. Samir, et ben écoute, je propose que tu laisses. Allez chiche. On va essayer de s'arrêter. Avec plaisir, ouais. Voilà, moi tu l'essayes. Peut-être juste après là, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon les amis, je vais conduire une 406. V6, je vais essayer déjà de ne pas caler parce que c'est une drôle de sensation que de remonter déjà dans une 406. Le tableau de bord, c'est vrai qu'on y est très bien. Mais le moteur V6, la boîte méca. T'étais déjà monté, Samir, dans une 406 V6 ou pas ? Jamais, frérot, c'est la première. Ah, tu me fais un cadeau là. Ah, ok, d'accord. Là, il nous fait un cadeau. Bah, avec plaisir. Ah, moi, c'est un cadeau que tu me fais. Tu sais que je suis un gros bébé, un grand bébé. Et. J'aime bien ces moteurs-là parce que c'est des moteurs qui sont élastiques. Il y a du coffre en bas régime. Même en bas régime, ouais, c'est ça en fait. On peut rouler sur le couple, tu vois. Tu vois, tu passes les rapports à 2200 tours. La voiture se lance très très bien.
Je l'avais fait, c'est un collègue, il me dit quoi? Il me dit, mais là, t'es sûr qu'il y a la peinture beau? Je fais, non, non, non. Non, parce que, tu sais, même en bas régime, tu as pu, elle repart. Ah non, mais tu as pu. Je suis en 4, en dessous de 2000, tu as pu. Tu sens qu'elle part, en fait. Tu sens qu'elle part direct, ouais. C'est incroyable, c'est un moteur qui est souple, silencieux, élastique. Merci Peugeot, franchement, sérieux. Ah, c'était l'époque de la grandeur, hein, je t'ai dit, des voitures françaises. On en a eu des belles voitures quand tu prends les Renault 25 V6 Baccara. Grave. De l'époque. Sur les Renault 21 Turbo, il y avait de la grosse caisse. C'est ça, les Safran, Safran V6. Ils ont fait un biturbo, la Safran. Un biturbo, ouais. C'était un truc de... Et oui, c'était un truc de ouf, tu vois. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'innovations, tu sais, que ça vient des voitures françaises. Oui. Les phares directionnels, par exemple. Ouais. Le phare directionnel, il a été la première fois innové sur la Citroën DS. Tu vois? D'accord. Eh oui, c'était avec un système de courroie. Et quand tu tournais ton volant, ben, le phare, il suivait, tu vois, plus ou moins. En fait, ils étaient en avance, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Après, ben, tu vois, avec les normes, les écologistes, etc., etc., ils n'ont pas voulu investir plus dans de la technologie. Ouais. Mais au final, les Français savaient faire de très très bonnes voitures. Franchement, sur ça, il n'y avait rien à dire. On était quand même bien... Après, malheureusement, maintenant, c'est tout avec les normes et tout, et etc. Ouais, c'est les normes. C'est ça qui est... Les constructeurs, ils vont pas développer d'autres technologies alors qu'ils savent très bien que dans le temps, ça va pas durer, tu vois. Et après, les constructeurs où ils abusent aussi, c'est des fois, on achète des voitures à je sais pas combien, ils sont même pas capables de mettre des vérins, en fait. Ah, mais ça, c'est clair. Quand on soulève le... Ah, mais ça, c'est clair, quand tu soulèves le capot. Moteur. Oui, exactement. Parce que là, ils en ont mis deux. Et ouais, il y a les vérins, exactement. Voilà. Exactement. À l'époque, c'était pas vraiment à l'économie forcément. Après, tu peux envoyer. Ouais, comme ouais, ça, tu vois un peu près. Non, mais comme ça, ça donne le ressenti aussi. Bien sûr. Mais ouais, c'est génial. C'est génial. Franchement. Il est onctueuse, mais si je sais pas comment t'expliquer. Il est, tu vois, il est plaisant, en fait. Il est plaisant. Franchement, pas, à cruiser, c'est le top. À cruiser, puis là, alors là, on roule pas à des vitesses folles. Non. Mais tu vois, je suis en dessous des limitations de vitesse, tu vois. On le sent pas. Ah ouais. Ouais, on le sent pas. Et pourtant, on roule tranquille, hein, mais... Et tu sais, en plus, parce qu'en plus, il y a les gens de 17, hein. Et oui. Mais avec les gens d'origine, ça... Ouais, il y a plus de confort encore. Ah, plus de confort, ouais. Ouais, c'est... Franchement, c'est incroyable. Mais on le sent quand même, hein, le confort. On sent que c'est une voiture... Là, tu fais 1000 bornes, t'as pas mal au dos. En fait, c'est ça. En fait, cette voiture, je l'ai vraiment découvert, c'est quand j'ai fait des longs trajets. Ouais, ouais, c'est ça, c'est moi, ça. Moi, j'ai de la famille qui habite sur Lyon. Ok. Et quand je remonte, en fait, je remonte des fois avec. Ouais. C'est un plaisir, en fait. Ah, mais. Voilà, là, moi, je fais 1000 bornes, j'ai pas mal au dos. Ah, ouais, c'est. J'ai pas mal au dos, non, franchement, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Même le cuir qu'ils ont mis à l'époque, c'est un bon cuir, quoi. C'est un bon cuir de qualité, ouais. C'est ouais, ça. Ouais. Ouais. En fait, à l'époque, ils mettaient les matériaux qui. Qu'il fallait, ouais, c'est ça, voilà, tout à fait. Fallait. Tout à fait. Tout à fait, bon les amis, je vais me permettre. Allez. Ouais. Mais ouais. Mais là, en deuxième, mais en troisième, c'est là que tu sens que. Ah, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je le sentais. Voilà. Parce que tu la sens partir. Tu la sens partir, ouais, effectivement. Sens partir. C'est vraiment une sensation. Ouais. Non, mais en tout cas, moi là, je suis prêt à aller sur l'autoroute, faire la course avec les Mercedes. Ah ouais, là tu peux. Hein? On peut aller pointer, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Le gang des Mercedes, c'est ça. Il y avait aussi dans le 2 hein, les Mitsubishi Lancer, hein. Grave. Yakuza, les Niak, Ninja. Il y avait une 605 aussi. Eh oui, la 605 V12. Elle était en vente d'ailleurs il n'y a pas longtemps, ouais. Sur le bon coin. Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Je crois qu'elle était en fait, elle était sur le bon coin, mais en fait, non, après, c'était dans une vente aux enchères. En fait. D'accord, ouais. Voilà, ils ont fait de vente aux enchères. Et si je te dis pas de bêtises, je crois qu'elle a dû partir, je crois entre 16 et 18 000 D'accord. euros, je crois, un truc comme ça. Et ouais, ça aussi, c'est pareil, la 605, c'était une caisse qui était un petit peu boudée, tu sais, dans la gamme Peugeot, parce que c'est vrai que c'était plus grand qu'une 406, tu c'est vois. Ça, ouais. Tu sais, c'était un peu comme la Laguna et la Safran. Ouais. La Laguna, elle a cartonné. Grave. La Safran, beaucoup moins. Oui. Et c'était le cas de la 605, tu vois. C'est ça. Alors pourtant, c'était des bonnes voitures. Et c'est des excellentes routières, ouais, mon pauvre, tu montes derrière. Ah ouais, c'est... Ah, c'est pareil, tu es le ministre. Hein. C'est ça. Et ouais. Bon, en tout cas, les amis, là, j'ai replongé dans mon enfance, ça m'a fait plaisir. Déjà, de conduire ben, cette mécanique-là, hein, une 406 V6, vous imaginez bien que c'est un super moteur. Et puis, de se rappeler tous ces souvenirs, tous ces moments où on voit des taxis. C'est vraiment magnifique. Donc, frérot, merci beaucoup. Avec plaisir. Ah ouais, tu m'as rendu du rêve là, franchement. En espérant, ça va faire plaisir aussi à la communauté. On espère, n'hésitez pas à commenter. Vous le savez, les amis, vous êtes
Après, je m'excuse encore une fois d'avoir été cagoulé et tout, etc. Non, t'inquiète pas, ça, ils le comprennent. Il y en a qui veulent. Je m'excuse par avance. Moi, les amis, c'est vrai que le frérot a souhaité rester discret et il m'a dit, c'est simple, je peux tout te raconter et présente-la toi. Donc c'est très gentil de sa part. Mais pour une voiture lambda, je peux le faire. Une RS3, une BMW, une M3, ce que tu veux, je peux le faire. Mais là, c'est tellement chargé d'histoire. Il n'y a que toi qui la connais l'histoire par cœur. Tu vois, il n'y a personne qui peut t'apprendre l'histoire de ta voiture. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, moi j'ai souhaité en tout cas que ce soit le frérot qui présente sa voiture, même s'il est cagoulé avec ses lunettes, pour respecter son intimité. Et en tout cas, il nous a fait plaisir et le but c'est ça, c'est son histoire et la voiture qu'il nous a présentée. Voilà, honnêtement, le but c'est vraiment de partager au maximum. Frérot, tu as assuré, merci encore une fois pour ce tour-là. Donc moi aussi, à mon tour, je vais te faire un petit cadeau, un petit plaisir, ce qu'on va faire, les amis. On va aller faire essayer la GTR au frérot. Je suis jamais monté dedans. Et sérieux? Franchement, c'est un plaisir. Eh ben, on va faire ça, on va lui faire essayer la GTR, on va voir ses impressions. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ben, écoutez, ça nous aura donné l'occasion donc, de remonter un petit peu à travers le temps. Et c'est vrai que c'est vraiment toute une histoire, on se rend compte que l'automobile, de toute façon, a toujours une histoire. Et dans les voitures françaises, la 406, c'est la 406, c'est un bâtiment, c'est un monument de l'automobile. Français. Et avec le film, avec les qualités du véhicule, etc., on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, une 406, c'est une voiture, en fait, qui prend un peu de cote, qui prend de la valeur. Ça s'était effondré un petit peu, parce que c'est normal. Il y a d'autres caisses qui sont sorties. Mais regardez les annonces du Bon Coin. Une 406 en bon état, ça vaut son billet au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est une belle voiture. Et en plus de ça, associée avec la magie de la saga Taxi, franchement, c'est que du bonheur. Mon ref Abdel, merci beaucoup, merci pour tout. Merci de m'avoir accueilli. Ben écoute, merci à vous aussi d'être venu, d'avoir fait le trajet donc depuis Marseille. Depuis Marseille, ouais. C'est vraiment incroyable. Tu m'as vendu du rêve aujourd'hui. J'ai kiffé ce tournage. Et avec tu plaisir. Vois, ça fera partie du genre du tournage qui restera gravé, que je n'oublierai jamais. Avec plaisir, franchement, avec plaisir. Voilà, donc moi, il m'arrive des fois d'aller à Marseille. Donc, une fois de temps en temps, on essaiera de se poser. Ouais, franchement, t'es le bienvenu. Eh bien, écoute, c'est gentil. Hein, on essaiera de se capter, de se poser. Avec plaisir. Au vieux port. On ira se faire une bonne petite bouffe, quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Ben voilà, les amis, écoutez, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.